un bon speaker, il faut savoir speaker. On prend de la valeur à force de prononcer. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bafouillez et qu'elles sont encore mouillées, alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Lorsqu'il avait 10 ans, le petit Pierre zozotait. Et tout en zozotant, tout le temps, il chantait. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il faut pas que la langue soit rêche. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Mon cousin va à la brègue, apprend cette chanson. Seulement comme il est bègue, il chante de cette façon. Les chemises de l'archi du CFL sont cette archi-sèche, sont pas comme ça. Pour qu'on dise cette phrase, déjà qu'il bégait, alors si en plus il faut que j'ai mal à dire sèche, vous n'avez qu'à dire sont-elles humides, pas humides. Il faut que les phrases. Allez, ça va bien comme pas ça. Humide, pas. Messieurs, dames, à votre tour, exercez vos talents. Et tout le long du jour, répétez donc gaiement. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles chèches, archichesses? Pour qu'on dise cette phrase avec la sèche, faut pas que la mangue soit lèche. Eh non, si vous babouillez, c'est qu'elles sont encore fouillées. Alors, faut répéter. Les chèches de l'archidumise sont-elles chèches, mèdes et archi-mèdes?